Hélène, depuis que le Premier ministre Modi est devenu Premier ministre, il prend une série d'initiatives qui est impressionnante. C'est-à-dire que Lénine a décidé d'investir in a big way dans Maurice. Pas seulement au niveau du métro léger, monopole, mais aussi au niveau du hub de pétrole, production de produits pétroliers à Maurice, aussi au niveau de l'élargissement du port maritime pour lui. Donc Lénine maintenant peut devenir un partenaire stratégique très important pour Maurice. Et nous pensons, nous aussi, nous, l'île Maurice, que nous sommes capables de devenir un partenaire stratégique pour l'Inde. Alors, nous pensons, nous, Maurice, maintenant, devenir aussi un pion important au niveau de la zone océan Indien et l'Afrique. Et il est passionnant parce que, pas si, mais quand nous pourrons réussir, vous pouvez dire encore une fois, Maurice, pour définitivement devenir une puissance régionale incontournable. Dans 15 ans, dans 20 ans, l'Ibou prend un peu de temps, mais de façon qui nous peut mettre le lit-pied, la coopération avec l'Afrique, l'éclair qui nous peut aller vers un gros investissement en Afrique. Production d'ici, production poule, création d'une ville informatique. Nous pouvons venir un ministère de diplomatie économique pure, nous pouvons dire à nous, amène un système Côte Maurice, non seulement gagne une bonne relation, mais aussi encourage l'investissement énormément. Mais nous pouvons, le transmission belt, nous dit un peu, nous pouvons le corridor financier de l'Asie, du Moyen-Orient vers l'Afrique. Nous vous expliquons, bien sûr, beaucoup plus en détail pour que Jimoun comprenne, mais il y a une expérience extraordinaire. Vous pouvez dire, dans 10 ans, 15 ans, Maurice pour prouve dès qu'il chose, qui premièrement, nous, Africains, nous sommes capables d'y bout de nos propres pieds. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin toujours d'un investisseur dans un pays riche, qui nous capable, nous, en pays africain, d'y bout de nos pieds et prouver qu'il nous capable donc amener un développement, premièrement. Deuxièmement, nous avons qu'à prouver, nous, Mauriciens, maintenant, qui nous aidons à sa stamina-là, qui nous aidons à sa ouverture-là, qui nous aidons à l'esprit d'entreprise-là, pour que Maurice vienne une puissance régionale incontournable dans 10 ans, dans 15 ans. Est-ce que nous sommes capables de faire les? Yes, we can make it. C'est ça qui est important. Il y a beaucoup d'entreprises qui manifestent son intérêt pour un special SPV, que ce soit chinois, mauricien même. Beaucoup. Mais l'Union africaine, il crée une fondation. Sa fondation a créé un forum économique à Maurice, le premier forum économique, le 20 au 22 mars. Et nous payons la guerre maintenant pour que l'île Maurice vienne le Davos de l'Afrique en matière de communication économique. Une cause de coopération dans les trois pays, que vous pensez un type de coopération que vous cherchez? Les nouveaux, les originales, les passionnants. Déjà actuellement, un bandier qui nous fait une perte de revenus au niveau d'ITIE et CLEN, c'est vrai. Mais quantité de business qui peut ouvrir, l'Afrique peut faire, qu'ils ont dit, la MCB, British Commercial Bank, plus que 50% se profitent et sont aussi déjà dans l'Afrique. Elle n'est pas au courant. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il peut faire qui peuvent aboutir à un résultat tangible et très intéressant pour nous. Maintenant, vous faites le commissaire dire le cause beaucoup. Vous ne pouvez pas follow-up après. Faites bien ça. Anglais, c'est ça. We must walk our talk. Sinon, nous ne pouvons pas causer. Okay. C'est un mot cause qui nous remarque, mais on peut faire beaucoup actuellement et on trouve un résultat prochainement.